Bonjour, bienvenue sur le vlog Gamers Rank. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux utilitaires que j'ai commencé à utiliser il y a quelques temps déjà. Le premier, c'est la boîte à couleurs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé sur un site web, puis dire « Oh, cette couleur-là est cool, j'aimerais ça l'utiliser » ou dans une photo dire « Hey, j'aimerais ça reproduire cette couleur-là » mais vous n'arrivez pas à trouver la palette exacte dans Photoshop. Avec ce programme-là, c'est vraiment simple. On l'ouvre, on a un compte-goutte, on va sur la photo ou la vidéo, on clique et on a automatiquement le code de couleur qu'on peut recopier sur Photoshop. Également, un gros carré avec la couleur pour nous aider à voir si on a bien choisi. La boîte à couleurs, c'est gratuit, puis le lien va être sur notre YouTube. Également, le deuxième programme, Snagit. Il est à moitié gratuit, à moitié payant, ça dépend de quelle version vous utilisez. Mais c'est un utilitaire qui se met souvent à jour. J'aime bien comment il se renouvelle. Ça va très bien, c'est simple d'utilisation. J'utilise vraiment pour faire mes tutoriels. Ça capture avec autant l'écran de l'ordinateur que votre voix. Donc pour faire du voice-over, c'est beaucoup moins long parce que c'est en direct que le refaire par la suite. Ce qui est bien avec ça, c'est que ça vous laisse le temps de tout préparer. Vous choisissez le frame de l'écran que vous voulez. Faites 3, 2, 1 et ça part enregistrer. C'est super simple pour revisualiser après pour être sûr que vous aimez ce que vous avez fait. Exemple, vous voulez vous faire aider dans un programme, vous dites à votre ami, c'est à telle place, ça fait tel message d'erreur, vous pouvez l'encercler pour ajouter des petites flèches et à même le programme. Snagit également, il va être le lien, il va être disponible sur notre YouTube. S'il vous plaît, suivez notre YouTube et notre Facebook. On a besoin de followers, on a besoin de monde qui nous font connaître. Sur YouTube, il y a des choses d'infos qui sont pas sur le Facebook, puis ça peut vous intéresser. Il y a des nouveaux concepts qui s'en viennent bientôt aussi pour les vlogs et le reste des vidéos. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Donc d'ici le prochain vlog, partagez et attention à vous!